Bonjour à tous, c'est Andrea, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau speedrowing. Dernier membre du film de la Justice League, cette fois-ci c'est au tour du roi des sept mers de passer sous mes crayons. Allez, c'est parti. Créé par Paul Norris et Mort Wazinger, Aquaman apparaîtra pour la première fois en 1941 dans le numéro 73 de Morphin Comics. Arthur Curry, alias Aquaman, n'est autre que le fils d'Athana, princesse Atlante bannie d'Atlantis à cause de son intérêt pour le monde des humains, et de Tom Curry, gardien de phare vivant à Amnesty Bay. Ayant une enfance tout à fait normale, quelques années plus tard, sa mère, sur son lit de mort, révélera à Arthur ses origines, qu'il est en réalité mi-homme, mi-Atlante. Après la mort d'Athana, son père décidera d'entraîner Arthur mentalement et physiquement pour qu'il puisse un jour contrôler la totalité de ses pouvoirs. À la mort de son père, il partira s'aventurer au fin fond des océans à la recherche de son destin, qui le mènera par la suite à devenir roi d'Atlantis avec son lot de responsabilités et d'ennemis tels que le maître des océans ou encore Black Manta. Par la suite, il épousera Mera, originaire du royaume de Xebel. De ce mariage royal naîtra leur fils Arthur Curry Jr., qui malheureusement ne vivra que peu car il sera assassiné par l'ennemi juré d'Aquaman, Black Manta. Aquaman est bien sûr l'un des membres les plus affluents et les plus emblématiques de la Justice League. Côté super-pouvoir, comme tous les super-héros maintenant, on l'aura compris, il dispose d'une force, d'une vitesse, d'une endurance et des sens hors du commun. Il résiste à la chaleur et à tout type d'énergie. Il possède également un trident, le trident de Neptune. Mais petit plus, pour une fois, du fait de sa part Atlante, il possède un lien télépathique lui permettant de communiquer avec la faune sous-marine, permettant de contrôler certaines espèces pour même se battre à ses côtés. Voilà pour Aquaman, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse au speedrowing. Bonne vidéo à tous!
Et bien voilà, ce nouveau speedrooming est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi ça dans les commentaires. En parlant de commentaires, je voulais vraiment vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés pour la vidéo du George Michael. Voilà, vous avez vraiment kiffé, donc merci encore. Les personnalités que vous m'avez suggérées, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà choisi le prochain. Quand est-ce que je sortirai une vidéo sur ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, je vous retrouve normalement dans une semaine ou 15 jours pour un speedrowing Pokémon. Mon mois du passé a déjà dû sortir une vidéo sur Pokémon aussi, il y a une ou deux semaines. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien !